Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler d'iPhone 3GS. Comme vous le savez, si vous suivez mon Twitter, vous aurez constaté ce matin que je suis allé chercher un iPhone 3GS chez mes amis de SFR. Donc, au préalable, comme je vous l'avais indiqué dans l'article précédent, j'ai contacté Orange pour leur dire de descendre mon forfait Origami Star à son strict minimum, à savoir passer sur un forfait Orange Zap à 15 € par mois qui m'offre, je crois, 40 minutes de communication ou 150 SMS. Bon, un truc ridicule hors de prix, comme c'est très bien les faire Orange. Je suis donc allé en suivant chez mes amis d'SFR, leur dire que je voulais un iPhone 3GS, que voici, noir de surcroît, puisque j'avais eu le modèle blanc en iPhone 3G qui se salit, j'ai toujours les mains dégueulasses, et donc la coque blanche, elle n'aime pas trop ça, on voit de suite toutes les traces. iPhone 3GS, que voici. Bon, d'extérieur, il ne change rien du tout, vous constaterez bien entendu qu'il y a une coque. Hop. Un iPhone standard, ce qui va changer pas mal, c'est l'appareil photo. L'appareil photo m'a beaucoup fait rire. Je vous montre ceci, enfin fait rire. Hop, on lance l'appareil photo. Déjà, l'ouverture est bien plus rapide et il y a ce nouvel autofocus. C'est-à-dire que vous touchez l'écran et l'autofocus se fait à l'endroit où vous voulez une mise au point. Hop, c'est un autofocus plus que sélectif, c'est vraiment sensationnel. Les captures vidéo, donc là je passe en mode vidéo, bim, encore une fois, je peux faire une petite vidéo, hop, ça enregistre, c'est génial, ça tourne, vous voyez le temps en haut à droite, tada, 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 j'en ai marre, j'arrête, hop, ma vidéo se positionne donc ici, je vais cliquer sur lire ma vidéo, ou pas d'ailleurs, voilà, c'est terrible. Je vais faire à nouveau pause et ici vous constaterez que je peux faire un trim sur ma vidéo et ça je trouve que c'est terrible. Donc je ne vais prendre que cette partie, je vais faire ajuster et regarde avec quelle vitesse l'ajustement se fait. Voilà, je suis donc sur ma nouvelle vidéo. Donc là entre nous comme j'en ai strictement rien à faire, je la supprime. Hop, c'est réglé. Ok, ici en haut et je reviens sur mon appareil photo, je repasse en mode photo. C'est franchement bluffant de vitesse par rapport à l'iPhone précédent. Un petit tour dans mes applications si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a sur cet iPhone. Rien de bien passionnant, hein, enfin, ou d'extraordinaire. J'ai mis les applications merdiques à la fin, les applications par défaut d'Apple. Facebook, Tweety pour suivre mon Twitter, Mac Forever Mobile, la météo, Shazam, le grand classique. J'aime particulièrement les personnes qui ne font pas de mise à jour sur leur application pour passer à supporter l'OS 3 et ça fait donc que les applications plantent tout simplement. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que faire une mise à jour, c'est assez simple. On a la fonction Spotlight. On va taper Locan. Bam, 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 bam. On tombe sur ma fiche, on tombe sur les morceaux de musique que j'ai fait. On va tomber aussi sur des mails, etc. Enfin, voilà. Que de choses absolument sympathiques. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? L'affichage en pourcentage ici en haut de la batterie. Vous constaterez que mon Lumix fait des mises au point assez rapides quand même pour passer en mode macro en vidéo. C'est assez cool. Voilà, rien de bien extraordinaire, mais beaucoup de vitesse, un réel confort d'utilisation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une machine qui fonctionne tout simplement. L'iPhone 3G présentait quelques lenteurs. Celui-là corrige tout, c'est absolument scandaleux. Je suis un homme scandaleux. Fantastique, que dis-je? Je suis un homme comblé. C'était Locan pour Locan.fr et dans la foulée, je teste cette vidéo sur Vimeo en haute définition.